suivez depuis l'Afrique, depuis le Cameroun, la France, les États-Unis et le monde. Le groupe de commando choc est encore de passage à l'ambassade du Cameroun à Washington. Nous l'avons fait depuis la dernière fois. Nous sommes revenus ici ce soir, ce matin. J'ai quitté New York, il était 3h du matin. Je suis arrivé à 6h38 pour retrouver ici Kennedy et Jaka, Jana Sene et les autres. Venez voir ce qui a été fait depuis la dernière fois. Malheureusement, pas grand-chose. Nous allons refaire le tour de l'ambassade pour voir que depuis que nous sommes passés, faire l'alerte au président de la République du Cameroun et lui dire ce qui devait être fait et qui n'a pas été fait. Pour le rappel de l'histoire, pour ceux qui n'ont pas été au courant, l'ambassade du Cameroun, c'est ce bâtiment que vous voyez derrière moi, qui a été acheté par le président Amadou Ahidjo pour les Camerounais. Malheureusement, en 2010, M. Charles Bienvenu et beaucoup de ministres, plusieurs ministres, autorités du Cameroun, et avec sa tête, à sa tête, M. Ngou Béni François, ont décidé de détourner l'argent qui a été destiné à la réfection de cette ambassade que vous voyez. Donc l'ambassade a été abandonnée et nous louons des bureaux ailleurs, un appartement qui fait office d'ambassade. C'est pour ça que nous avons décidé de garder l'œil ouvert sur ce qui nous appartient comme patrimoine. Parce que si nous laissons ça, finalement nous allons tout perdre, ils vont vendre. Donc c'est pour ça que régulièrement nous sommes ici pour pouvoir mettre l'accent sur ce qui nous revient comme patrimoine. Donc je vais vous faire le tour de l'ambassade pour voir de quoi est-ce qu'il est question, ce qui n'a pas été fait, ce que nous devons faire ce matin. Voilà. Ok, je suis accompagné de mon frère, un commando, le commando Kennedy et Jaka, vous le voyez en tenue de commando. Donc, avec qui nous sommes, il y a Ndiana Semé qui arrive, Ndiana Florent et tout le reste qui vont arriver. Donc nous allons vous faire le tour de l'ambassade pour vous montrer ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. La dernière fois, vous avez toujours vu le même bâtiment, les mêmes pierres qui étaient partout, le même désordre, les meubles en train de se changer. Voilà, en train de se délabrer, comme vous voyez là. Rien n'a été fait. Pas du tout. Quand vous regardez vous-même, ça c'est un immeuble, c'est-à-dire c'est un patrimoine, hein, cet immeuble que vous voyez là. Vous voyez la texture, vous voyez le matériel avec lequel cet immeuble a été construit. Patrice, les Camerounais doivent comprendre que cette rue, c'est la rue des ambassades. Tout à fait. C'est ici que tous les grands pays sont représentés. Évidemment. En ce moment, juste à cause de la mauvaise gestion de ce bâtiment, nous sommes dans un quartier. Ici à Washington, dans le Cameroun, l'ambassade du Cameroun actuellement est abritée dans un sous-quartier. Mais cette rue, c'était la rue des ambassades. Vous allez voir tous les grands pays. Donc, à l'époque d'Ahidjo, on avait une grande vision du Cameroun. Et cette vision, vous allez voir, juste par le fait que nous avons ce bâtiment qui appartenait au Cameroun d'ailleurs. À son niveau. Ça c'est l'entrée du parking là, ici. Donc, vous voyez ça comme ça. Voilà les herbes là qui ont poussé encore partout. La dernière fois ils ont fait semblant de nettoyer. Mais c'est comment c'est entretenu de ce côté? Parce que c'est chez les voisins. On va remonter de l'autre côté derrière là-bas. Vous allez voir comment le bâtiment est grand. C'est un très grand bâtiment, un très grand immeuble que les vautours de la République ont décidé de détruire, de voler. Comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'ils ont le virus du vol. Donc nous allons contourner de l'autre côté, derrière là-bas, pour voir ce qui reste.
laisse tranquille, qui nous laisse continuer ce combat pour ce pays. Vous voyez donc ici comment est-ce que les Serbes continuent à nourrir notre ambassade. Le bâtiment est tellement grand, très grand, que ici, derrière, vous voyez comment il est complètement délabré, ici derrière. Nous avons filmé ça l'année dernière, rien n'a changé. Nous avons filmé en début d'année, je veux dire, une fois de plus, de l'année dernière. Comme vous voyez là, délabré partout. Partout c'est délabré. Et finalement, si nous laissons ça comme ça, ils finiront par vendre. L'un des membres du gouvernement viendra acheter et on n'aura plus d'ambassade. Et la génération à venir doit tout recommencer. Et c'est ça le véritable souci. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Vous voyez? Ça, c'est un abandon stratégique. Voilà, c'est vraiment un abandon stratégique. Pour après récupérer. Donc, c'est pour ça que nous n'allons pas laisser la chance à toutes celles et ceux qui pensent qu'ils peuvent s'accaparer du patrimoine de l'État, du patrimoine du peuple camerounais comme ça, sans rien faire. Amadou Ahidjo, en achetant ça, n'achetait pas pour lui. Parce qu'il achetait ça parce que c'est l'histoire, c'est notre patrimoine. Donc nous ne pouvons pas nous permettre une telle lassitude, un tel abus. Et c'est pour ça que chaque fois, dès qu'on se réveille au matin, il faut mettre l'œil sur ce qui appartient aux Camerounais et pour la protection et l'avenir du peuple camerounais. Donc là maintenant, moi je vais m'échanger parce que Ejaka est déjà en tenue de combat. Oui. Moi je vais rapidement m'échanger et puis on va commencer à essayer de voir ce qu'on peut faire. Pour nettoyer un peu à notre niveau. Nous sommes en train de dire, chacun, le Cameroun nous appartient et chacun à son niveau peut apporter un changement. Donc ça c'est pas du théâtre que nous sommes en train de faire. Ça, bien que c'est symbolique, mais c'est un message que nous envoyons à tous les Camerounais, où que vous soyez. Vous pouvez faire quelque chose de positif. Et ce n'est qu'avec des petites choses qu'on arrive à faire des grandes choses. Donc il faut commencer quelque part. On dit toujours disons en anglais, on dit a journey of 1000 miles starts with the first mile. Donc un voyage de 1000 km commence avec le premier pas. Donc nous allons prendre le premier pas aujourd'hui vers l'assainissement de cette ambassade. Et nous comptons bien que peut-être ce message va aller des biens, sera contraint à faire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui aime travailler sur la contrainte. Comme nous voyons dernièrement, il a fallu que les militaires grèvent, ils aillent sur la rue, pour qu'on débloque une situation qui perdure depuis 8 mois. Donc bien. Voilà le type de président que nous avons. Donc, mais ça doit changer. Ok. Pas, juste tu es en train de travailler pour le pays. Tes enfants vont te remercier pour ça. Chaque acte que nous posons, Zana va venir. Oui, il arrive. Attends, Zana, il est ici à Melbourne ou bien il est où? Zana est aux États-Unis. Non? Je sais qu'il est aux États-Unis, mais je croyais qu'il était plutôt de ton côté là. Non, il n'est pas de ton côté. Zana est ici. J'ai eu les machettes. Tu vois, je ne savais pas qu'il y a les machettes. C'est ce que tu me dis. À Home Depot. Oui, parce que si moi j'achète ça pour venir là. Ouais, ça sent un convoi. Non, il ne faut pas, il faut pas arrêter ça. D'accord. Et tout ça pour le Cameroun, franchement. Tout ça pour le Cameroun. Je suis à l'extérieur. Oh, et toi, tu vas débousser à l'autre côté. Ouais, on doit nettoyer. Moi, j'entre là. À l'extérieur. Ok, good. Voilà. Comme la dernière fois, il n'est pas évident d'entrer. C'est fermé. C'est fermé. Donc, là, nous menons une action kamikaze. Parce que si Atangana Charles est bienvenu nous trouver ici, c'est un papa qui aime bagarrer. Alors, comme nous n'aimons pas les bagarres, on fait notre petit boulot tranquillement et on retourne. Donc, je vais passer par là comme un commando. On va commencer à débroussailler et on va repartir. Donc, je commence comme camarade.
Je vais passer par ici. Voilà. On est à l'intérieur. Camarade, toi tu continues de l'autre côté. On va commencer ici là. Comme ça, quand on filmait au village, quand on partait faire des choses au village, c'est comme ça. Tu vois, on coupe. Si on ne fait pas ça comme ça, là, les gens là vont, ils vont vendre l'ambassade. Il faut vraiment nettoyer, c'est très important. Mmh. Nous allons commencer, c'est bien vrai que nous n'avons pas mis ce travail. Cette République, ils sont obligés de nettoyer. Pendant que les autres dorment, pendant qu'ils ont des nuits dorées, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, vraiment, il faut beaucoup occuper cet exemple. Ici. Vous voyez comment l'ambassade est grande. Le mur va de l'autre côté, là-bas, jusqu'au fond. Il faut nettoyer tout ça. Sinon le patrimoine, si on laisse, bienvenue, va vendre ça. Attends, la Charles, bienvenue. Avec Belinda. Et Boutou. Bongo. Allez, mais Bongo. Les mêmes gens. Regardez. Les fûts sont là. Et on déballait partout. La poubelle. Regardez vous-même les plastiques. Tous ces plastiques-là. On couvre même les serpents. L'intérieur. Je ne sais pas bien qui s'est transformé en
en anaconda. Regardez ça. Le bâtiment est tellement loin partout derrière. Le bâtiment est grand. Vous voyez ici les entrées. On ne peut pas nettoyer partout parce qu'il faut le matériel. Regardez tout ça. Amad Wayidjo. Le monsieur là nous a fait un bon travail. On va aller de l'autre côté. C'est bien ça, combattant. Tu vois un peu là, ils ont engagé la construction encore. C'est depuis au moins 7 ans que nous avons fait des constructions en cours. Ils ont volé là. Rien n'a été fait depuis 7 ans au moins, construction en cours. Et après, on va nous parler de l'inertie. Quelle inertie qui est nos responsables en chef par rapport à l'inertie? De l'inertie. C'est le commandant en chef lui-même. Si nous laissons ça, ils vont vendre. Donc, chaque, on est obligé. Chaque année, le commandant, le camarade Patrice, chaque année, il vient à cette ambassade, chaque année, il essaie de sensibiliser. Et vous croyez que les gens, là, ceux qui sont au gouvernement, vous croyez qu'ils vont prendre acte de cette bravure et essayer de changer? Mais la même chose, la même délicatesse, chaque année. Mais nous n'allons pas, nous les filles, nous n'allons pas fonctionner. Face à cet appel pour notre personne, nous n'allons pas tout. Nous n'allons pas tout. C'est vraiment écœurant. Nous sommes dans le côté de la chambre. C'est assez l'honneur. Donc, tu sais que c'est un papy qui aime la bagarre, j'ai nettoyé le. Ça a été fait ce côté clean, on va maintenant de l'autre côté. On a coupé de ce côté déjà. Maintenant nous allons partir de l'autre côté. Maintenant on va de l'autre côté. Ça, c'est les herbes qui viennent de chez le voisin. Le voisin taille chez lui, mais nous ne taillons pas ici. Le voisin taille là-bas, mais nous ici, nous ne taillons rien. Si on ne vient pas nettoyer comme ça. C'est bon. Si on ne vient pas nettoyer, nous n'aurons rien. Comme ça, nos enfants n'auront rien. Si on ne fait pas ça, nos enfants n'auront rien ici. Il faut protéger ça. Ça, c'est le dernier coup. Parce que là, les gars, nous sommes à la fin. Nous allons repartir rapidement. Sinon, on va ressortir par ici. Il va ressortir par ici. Les oiseaux de mauvais augure. Bon,
On a fini. Comme vous constatez là, voilà. C'est toujours la même chose. On débarrasse un peu. On dépose ici. On a fait ce qu'on avait à faire. Je vais ressortir d'ici parce que si l'ambassadeur là, Charles Atangana, bienvenue, me trouve, c'est encore la bagarre. On va déjà qu'on ressort comme les commandos. Voilà. Pendant que d'autres dorment, nous on est là pour notre patrimoine. Ouais, c'est sous la pluie, là. Ok, cette action, nous l'avons menée sous la pluie. Donc, parfois, on ne choisit pas notre combat, mais c'est le combat qui vient vers nous. On a choisi cette matinée. C'était une matinée où on devait venir travailler, mais la nature a voulu qu'il pleut. Peut-être c'était pour nous décourager, mais nous avons bravé cette pluie pour essayer de nettoyer notre ambassade, pour donner... une nouvelle face à notre ambassade, et le travail n'est pas fini. Ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un début. Et à travers ceci, nous interpellons les autres Camerounais. Où que vous soyez, prenez l'action. C'est vrai, nous allons mener des actions civiles comme celle-ci, mais au-delà de cela, il faudra des actions qui permettent à ce que nous ayons la possibilité de gérer ce pays. Donc nous sommes en train de prouver déjà que nous pouvons faire quelque chose pour le pays. Et nous comptons. Peut-être le Saint-Esprit peut toucher bien et il change. L'essentiel, c'est que nous voulons que le Cameroun évolue. Très donc bien. Si Biya sort un décret tout de suite, il dit qu'il est en train de tout changer, nous allons le soutenir. Je tiens à remercier le camarade Patrice Nouma, vraiment sa ténacité pour le changement au Cameroun n'est plus à démontrer. C'est lui qui a organisé ceci. Et il m'a appelé, il a dit que mon frère, est-ce que nous pouvons nous retrouver au niveau de l'ambassade du Cameroun pour faire un peu de nettoyage? Et j'ai dit, puisque ça va dans le sens de l'avancement de notre pays, je suis là avec vous, je suis avec Patrice. Donc, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour notre nation. Merci Patrice. C'est moi qui te remercie. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes venus ici présentement. Je remercie le frère Edjaka, parce que c'est grâce à lui que nous avons eu le matériel. Je ne peux pas voyager depuis New York avec ce matériel. Et grâce à toutes celles de ceux qui sont venus depuis ce matin, 6h38, que nous sommes arrivés. Je tiens à rappeler que nous agissons comme des médecins. Absolument. Le médecin, c'est la seule profession, l'une des professions où les médecins peuvent soigner un seul malade à 5 ans sans se connaître. Il y a les neurologues, les chirurgiens, les généralistes. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être avec nous, ici, maintenant, pour mener son action. On peut la mener étant en France. Absolument. Comme Junior Zogo le fait. On peut la mener étant ici aux États-Unis, étant au Cameroun, comme Ateba Yenela toujours fait. Elle n'était dans aucun groupe. Elle n'était même dans l'association qui gère le Cameroun actuel. Mais elle combattait seule. Il a fait ce qu'il avait à faire. La pureté de Mbanga l'a fait à travers la musique. Les autres l'ont fait à travers les écritures. Nous le menons à travers l'action de tous les jours. Et je vous invite, chers compatriotes, le Cameroun, c'est le vôtre. Ce n'est pas le Cameroun de Patrice Nouma seulement, ou de Edjaka, ou de Junior Zou. C'est vous, c'est votre pays. Si je suis ici ce matin avec mes compatriotes, c'est parce que si nous ne faisons rien, Belinga et Boutouba vendent, ils n'ont plus rien à faire. C'est les gens qui ont dépassé 80 piges. C'est nous qui allons souffrir. Absolument. J'ai quitté New York à 3h du matin pour être ici à 6h38. Et à 7h, nous étions ici. C'est pour l'avenir de vos enfants, de nos enfants. C'est une honte de voir qu'autour de nous, le Tchad, la Côte d'Ivoire, toutes ces ambassades-là sont propres et neuves. D'autres sont locataires, mais nous, c'est notre propriété ici. Nous avons abandonné pour aller louer un appartement. Vraiment, ce combat que vous voyez, je vais le mener jusqu'à la dernière goutte d'énergie, de sang et de sueur. Je n'attends aucune récompense particulière, mais tout ce que je veux, c'est l'honneur de mon pays et de notre patrie. Je vous remercie, vous qui nous soutenez. Je passe par la même occasion pour saluer
mes camarades militaires. Et pour vous rappeler une chose, l'action que vous avez menée était une très bonne action. Sans armes, mais vous avez vu quelque chose de significatif. Sur votre chemin, on vous a interposé avec vos propres frères. Prenez l'exemple de ce qui se passe au Burundi. Il faut s'attaquer à tous les responsables. Ne tirez sur aucun de vos camarades. Nous avons déjà versé beaucoup de sang. Absolument. Il faut s'en prendre aux généraux qui volent, aux ministres, à toutes ces personnes-là qui vous mettent dans cette situation. Parce que toi, le sergent, toi, l'adjudant, toi, le capitaine ou le commandant, qu'on enverra aujourd'hui tirer sur ton frère parce qu'il manifeste, tu es dans la même situation que lui. Vous avez vu l'un de nos frères ici qui vient de partir. Il avait l'occasion de changer la vie de Gisèle Halima. Il ne l'a pas fait. Mais la bénédiction de Dieu veut que Gisèle Halima soit encore en vie aujourd'hui. Et toutes celles de ceux qui avaient la possibilité de changer sa vie sont en train de partir devant qu'elle. Vraiment, écrivons une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. C'est notre pays. Il faut qu'on parle de vous, comme nous parlons aujourd'hui d'Amadou Ahidjo, à partir de ses biens. Il n'était pas l'homme le plus bon de la terre, mais il était l'homme de l'action. Et à travers ces actions-là, nous avons vu aujourd'hui à Paris, aux États-Unis, à Londres, au Cameroun, les actions d'Amadou Ahidjo. Vraiment, je vous prie, mes chers compatriotes, que chacun se mette au travail en sa qualité de médecin et spécialiste. Donc je salue tous les combattants, toutes les combattantes d'ici et d'ailleurs. Un seul mot, le combat continue.